Franck Fouqueret, bonjour, vous venez de publier « Manuel de survie pour apprentis francs-maçons voulant démissionner ». Et le premier chapitre de votre ouvrage est intitulé « Utilité de ce manuel ». Ma question c'est, quelle est l'utilité de ce manuel ? L'utilité du manuel, en fait, c'est que beaucoup d'apprentis, et je m'en suis rendu compte durant mes deux mandats, mes deux vénéralats, c'est que beaucoup d'apprentis, une fois rentrés, ne trouvent pas ce qu'ils sont venus chercher. Donc le doute s'installe, ils commencent à se poser des questions, et à ce moment-là, c'est là où le maître doit intervenir, si ce n'est pas le surveillant, le second surveillant de la loge, c'est au moins le maître maçon qui se trouve là, qui doit aider le nouvel apprenti à donner du sens à sa pratique, à sa présence ici, et pourquoi il doit lui expliquer que cette loge où il est arrivé, il n'est pas arrivé là par hasard, c'est la bonne loge, c'est sa loge à lui. Et ça, eh bien, il faut beaucoup de patience, beaucoup de pédagogie, et ça se fait avec de l'écoute surtout. Voilà. Votre ouvrage contient 14 profils de maçons. Et parmi ces profils relativement originaux et intéressants, il y en a un qui m'a un petit peu percuté, c'est le mystico-gélatineux. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le mystico-gélatineux ? Oui, le mystico-gélatineux, c'est un des profils. C'est pas... J'ai pas créé les 13 autres pour justifier juste celui-ci. Celui-ci, ben, il est barré, quoi. C'est-à-dire qu'il est dans les étoiles, il n'a plus les pieds sur terre, il a la tête complètement dans les étoiles. Or, le maçon doit avoir les pieds sur terre, la tête dans les étoiles. S'il est seulement dans la terre, il va lui manquer quelque chose. S'il est seulement dans les étoiles, il lui manque aussi quelque chose. Mais le mystico-gélatineux, il est... En fait, il fait une cuisine dans laquelle, dans son petit plat, il est allé mettre des mélanges d'ésotérisme, de religion, il fait son mélange. Alors, Franck, vous avez travaillé sur cet ouvrage avec un illustrateur qui s'appelle Sat, qui est connu pour ses ouvrages sur les fourmis. Et ma question, c'est comment avez-vous pratiqué, comment avez-vous collaboré ? Et avec Sat, ça a été assez particulier parce que j'ai d'abord écrit l'ouvrage. Une fois qu'il a été terminé, j'ai contacté Sat, et c'était en juillet 2014, et je lui ai dit, voilà, j'ai écrit un ouvrage pour aider les apprentis maçons à donner du sens à leur pratique et à éviter la démission tout de suite. Je lui ai envoyé le manuscrit, il l'a lu, il l'a aimé, et il m'a dit, on va travailler ensemble. Et étonnamment, les hasards de la vie, mon père est décédé quelques jours après, ça nous a rapprochés en même temps, ça a mis de l'humanité, parce que c'est toujours des drames, qu'on soit maçon ou profane, c'est jamais un moment drôle. Et avec ça, quelque part, ça a créé une forme de lien. Il partait justement en voyage à l'étranger, il est absent une quinzaine de jours, on s'est retrouvés après. Mais tout de suite, il s'est créé une fraternité, j'allais dire, c'est ça. La chaîne d'union était encore plus serrée et les deux maillons se sont rapprochés plus encore. Vous avez été initié au rite écossais ancien accepté, puis vous êtes allé à la grande loge mixte Memphis-Misraïm, qui a un autre rite. Vous avez été, vous l'avez dit tout à l'heure, deux fois vénérable. Et il y a un chapitre dans votre ouvrage qui parle des initiations prémonitoires. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Ah oui, les initiations prémonitoires, ça c'est un sujet captivant. C'est en qualité de véné, lorsqu'on est avec le maillet à la main à l'Orient, et qu'on voit les choses se faire avec un petit peu de hauteur, un petit peu de recul aussi, on constate des choses. Par exemple, un candidat qu'on est en train d'initier, et on a notre gant au moment où on va brûler le testament philosophique qui brûle, et qui brûle le gant. Et on se dit, tiens, il va se passer des choses. Et effectivement, c'est ce que je raconte dans le livre, c'est qu'il se passe des choses après. C'est pas neutre. Un candidat, ingénieur, contrôle, hyper contrôlant, qui se casse le genou pendant son initiation, qui termine aux urgences. Tout simplement parce qu'il avait oublié de mettre son attelle. Et le genou, c'est ce que j'explique, c'est la relation à l'autre. Et là, comme par hasard, il termine son initiation, il part vite aux urgences. Et vous l'avez revu ? Et on l'a revu deux fois. Et ensuite, il n'a pas continué parce que la maçonnerie, il faut faire le passage. Le passage, c'est deux mots là aussi, et c'est le pas dans le vide. Et pour un hyper-contrôlant, c'est pas possible. Et bien justement, toutes ces initiations prémonitoires, ce sont des choses, si on sait les observer, comme ça se passe dans la vie de tous les jours, comme le dit Paolo Coelho, les signes sont là, il suffit de les observer.
Eh bien, dans l'initiation, on voit déjà ce qui va se passer dans la vie maçonnique de ce nouvel apprenti. Alors, j'ai un ami, professeur de fac, qui a failli entrer en maçonnerie et qui n'est jamais entré en maçonnerie parce qu'il était bloqué par le rituel. Et comme une bonne partie de votre ouvrage parle de la valeur du rituel, j'aimerais que vous lui expliquiez pourquoi il a eu tort de ne pas entrer en maçonnerie. Cher ami professeur d'université et ami de Jacques, si tu n'es pas rentré en maçonnerie à cause du rituel, ce n'est pas à cause du rituel, c'est le rituel qui t'a servi à ne pas rentrer en maçonnerie. Parce qu'au-delà du rituel, il y avait certainement plein d'autres raisons. Parce que quand un profane fait son entrée, il ne sait jamais quel est le rituel, il ne le comprend pas. Donc je ne vois pas comment un profane ne rentrerait pas en maçonnerie parce que c'est le rituel, ça voudrait dire qu'il le connaît déjà avant. C'est comme quelqu'un qui refuserait le mariage parce qu'il se dit « je sais que ma femme dans 20 ans ne sera pas comme je le souhaite ». Eh bien là, c'est exactement la même chose. Le rituel est un prétexte comme un autre. Il suffit de se faire confiance, de se dire « tout va bien se passer », d'envoyer sa lettre, de faire les trois enquêtes et d'accepter l'initiation. Et puis, Jacques te transmettra mon numéro de téléphone. C'est avec grand plaisir que je te ferai rentrer dans la nôtre si le rituel qu'on t'a proposé ne te plaît pas. À bientôt. Franck, dans votre ouvrage, arrive un moment où il y a une fiche examen. Et c'est une fiche examen bilan qui permet à celui qui veut démissionner de démissionner ou pas. Quels sont les indicateurs que vous avez retenus pour éclairer celui qui voudrait partir ou qui pourrait rester? En fait, toute la ligne de pensée du livre, c'est de dire ce que vous vivez en loge, ce qui vous plaît ou ce qui vous déçoit en loge, c'est ce que vous retrouvez à l'extérieur, il n'y a aucun changement. La seule différence, c'est qu'en loge, on s'autorise tous ensemble à travailler et à remettre en question ce que l'on pense, en règle générale. Ça, c'est l'avantage. Alors, pourquoi j'ai décidé de mettre une fiche? C'est parce qu'en exprimant, c'est comme chez le thérapeute en quelque sorte, comme chez le psy, en l'exprimant, en le mettant à l'extérieur, en donnant la parole, au début était la parole, et bien là, ça permet de créer à l'extérieur. Et bien, ça permet de relire, de voir son problème, de prendre du recul avec son problème et de travailler sur son problème. Donc c'est pas forcément la synthèse de cette fiche qui va donner la réponse, c'est surtout le fait de l'exprimer qui va permettre soi-même de mettre en relation ce que l'on vit en loge avec ce qu'on vit à l'extérieur. Voilà le but de cette fiche, c'est de s'autoriser à exprimer, de le mettre à l'extérieur. Alors, Franck, vous créez votre ouvrage, ça vend très bien. Ma question, c'est, avez-vous déjà pensé à la suite ou à un autre ouvrage? Et quel sera son titre? Oui, évidemment, oui, la suite, j'y ai longtemps pensé, et j'ai trouvé depuis quasiment la fin du précédent, enfin donc du manuel de survie, j'ai trouvé. Le prochain livre, allez, est-ce que je le dis, je le dis pas? Oui, allez, je vous le dis, je le dévoile. Il est destiné aux profanes qui se posent des questions, qui voudraient rentrer en maçonnerie et qui voudraient trouver des bonnes raisons de rentrer et aussi des bonnes raisons pour lesquelles ils ne rentreraient pas et surtout pourquoi ils seraient déçus une fois rentrés. Donc sans dévoiler les secrets, parce que là je les priverai évidemment de toute l'essence maçonnique, j'explique tout simplement, tel que moi je le vis et dans le même esprit qu'a été écrit le dernier, pourquoi rentrer en franc-maçonnerie.